Je travaille sur le secteur 1er et 7e arrondissement. Les retours qu'on a des personnes qui visitent le stand, c'est que justement, il y a beaucoup de propositions et qu'ils sont plutôt contents. Alors, on a des personnes qui viennent parce qu'ils pratiquent déjà quelque chose ou qui participent à un atelier, et on a aussi des personnes nouvelles. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est à la fois l'été dansant, des balades urbaines, on propose du yoga, du pilates, de la gym douce, les ateliers cuisine. Alors ça, c'est un gros succès. Sur les centres d'animation, qu'est-ce qu'on a? Je cherche un peu d'apprendre à des événements, notamment un bal trad qui a lieu le 14 juin, qui fait l'unanimité, où il va y avoir 12 musiciens sur scène et un maître de danse qui va apprendre aux gens à danser les danses traditionnelles de groupe. Ça, c'est au Vallon des Offes, sur le CMA du Vallon. On a passé une bonne journée, on a visité les stands, un peu de danse, et puis on a vu un prestidigitateur là, qui nous a fait passer un petit moment. C'était sympa. Voilà, l'ambiance est super, et puis on remercie la mairie de Marseille. Et bonjour, alors je suis pour la fête. Là, il y a tous les Marseillais qui se sont rassemblés. C'est super bien organisé. Le repas était formidable. On est vraiment gâtés. Et je vois que tous mes amis dansent là tout l'après-midi. Ouais, c'est une belle journée festive. Alors merci à la ville et merci à vous. Ça s'est très bien passé, comme d'habitude. La mairie de Marseille a bien fait les choses. Et bon, on se régale. Belle musique, belle danse. Et on se régale vraiment.